de cocodé. Cocodé, cocodé. Voici Balagasso. Jésus, voyez, est-ce que quelqu'un va acclamer Jésus ce soir? Acclame Jésus. Voici Pena Yesu. Ah, j'aime ça. Et on vit coco de coco de. Ça dit que tu marques le but dans le camp de l'ennemi. Coco de coco de. Coco de coco de. Est-ce qu'on peut acclamer encore Jésus ce soir? Voici Pena Yesu. Pendant que tu es debout, prends ta Bible avec moi. Que le titre dans le livre de Josué. Chapitre 2, partie verset 1, verset 17. Jusqu'au verset 21. Amen. Amen. Chapitre 6, verset 17. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tous qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Amen. Versets 22 à 26. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens comme vous le lui avez juré. » Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondations au prix de son fils aîné et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Ouvre-moi l'esprit. Ouvre-moi l'esprit. Pour comprendre cette parole. Pour comprendre cette parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame et assois-toi dans sa présence. Que Dieu te bénisse. Sois la bienvenue à ton voisin. Dis le voisin, je suis content de te voir. Et je suis heureux que tu sois mon voisin ce soir. Soyons attentifs. Parce que Dieu nous amènera très loin. Le thème de mon message, je l'ai intitulé Rahab la prostituée. Rahab la prostituée. Pour commencer, il faut savoir que le mot Rahab en hébreu c'est Rahab, qui veut dire large. C'est une personne qui est large. Qu'est-ce que Rahab veut dire? Donc cette femme portait un grand nom, mais sa vie n'était pas large. Sa vie ne connaissait pas la gloire de son nom. Quelque chose s'était passé entre son nom prophétique et sa destinée. Et Dieu a commencé à me parler. Et je veux prophétiser sur quelqu'un ici. Tout nom prophétique que tu as, que le diable t'a volé, ce soir tu récupères ton nom prophétique au nom de Jésus. Je veux que les gens comprennent une chose. Je commence d'abord par le mystère du nom. La Bible dit ceci, que tous ceux qui sont nés de nouveau, chacun a un caillou blanc devant Dieu sur lequel est écrit
son nom nouveau sur lequel est écrit son nom nouveau que seule la personne connaît avec Dieu. Donc ça veut dire quoi? Dans le règne spirituel, tu as un nom prophétique et ta destinée doit être attachée à ce nom prophétique pour que tu commences à accomplir les choses pour lesquelles Dieu t'a créé. Mais beaucoup de personnes ont été séparées de leur nom prophétique et ne vivent pas la vie qui sied à leur nom prophétique, parce que ta gloire est dans ton nom, ton identité est dans ton nom. Cette femme, son nom ne méritait pas la vie qu'elle vivait. Elle portait un nom prophétique, un nom glorieux qui signifiait largeur, ce qui est vaste, ce qui est beau, ce qui est glorieux, ce qui est grand. Mais on l'appelait Rahab, la prostituée. C'est-à-dire la gloire, la prostituée. Et ça vous comprenez? Le diable lui avait volé sa destinée prophétique. Et je vais déclarer sur toi ce soir, toute personne qui me suit en direct ou qui est dans cette salle dont la destinée prophétique a été volée, je prie au nom de Jésus que tu retrouves cette destinée ce soir. Je le prophétise à votre autorité. Tu retrouves ta destinée prophétique. Tu retrouves ton nom prophétique. Et tu retrouves ta destinée prophétique. En fait, les promesses de Dieu sont dans le nom prophétique que tu portes. La destinée de Rahab était dans son nom. Mais à présent, le diable avait réussi à faire de cette femme, qui devait être une grande femme, une prostituée internationale. La Bible déclare que lorsque les espions sont arrivés, on allait dire au roi que les espions ont été reçus par Rahab, la prostituée. Et le roi a envoyé des ministres rencontrer Rahab. Ça veut dire quoi? Ce n'était pas une prostituée comme les prostituées qu'on a aujourd'hui. C'était une prostituée qui traitait avec le roi. Elle était connue par le président. Elle était connue par les ministres. Même le gouvernement de Jéricho reconnaissait qu'elle est une prostituée professionnelle. Donc s'il fallait donner un diplôme de prostitution, c'est à Rahab qu'on aurait donné cela. Elle n'était pas une petite prostituée. Pourquoi? Parce que son nom prophétique signifiait la grandeur, ce qui est large. Ça fait que même dans son égarement, son péché était large. Le nom, Satan avait détourné son nom et l'avait fait accomplir en mal dans la vie de Rahab. Et cette erreur sera rectifiée dans ta vie. Je dis, cette erreur sera rectifiée dans ta vie. Dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, toute personne dont la destinée est falsifiée, le Seigneur rectifie les erreurs de ta vie. Toute vie que tu vis, qui n'est pas celle que Dieu a prévue pour toi, elle s'arrête aujourd'hui, on l'enterre. Je dis, on l'enterre ce soir dans le nom puissant souverain de Jésus. Et Rahab était prostituée. On ne sait pas pendant combien d'années, mais on sait qu'elle était une prostituée. Une prostituée internationale. Et quelque chose s'est passé. La maison de Rahab, la Bible dit que sa maison était sur la muraille. Sa maison était collée à la muraille. Donc la fenêtre de sa maison était sur la muraille. À partir de sa maison, on voyait l'arrière-ville. Jesus. J'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi la maison de Rahab n'était pas au centre de la ville? Pourquoi sa maison était sur la muraille? Et l'Esprit de Dieu a commencé à m'enseigner. Écoutez mes amis, nous ne servons pas un Dieu qui ne connaît pas ce qui nous sied. Dieu sait ce qu'il te faut. Il le sait mieux que toi. La sagesse de Dieu est infiniment variée envers ceux qui l'aiment. Et l'apôtre Paul dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. La maison
de Rahab était sur les murailles de la ville. Elle pouvait se plaindre. Pourquoi moi ma maison n'est pas au centre de Jéricho? Pourquoi ma maison est l'une des dernières maisons? Pourquoi j'ai reçu cette position défavorable? Pourquoi je suis défavorisé? C'est parce que je suis prostitué. On m'a donné le terrain qui est collé au mur de la ville, les bonnes places. On les a données aux grands, à ceux qui sont bien, à ceux qu'on considère. Mais moi, regardez où on a construit ma maison. Mais Dieu savait pourquoi la maison de Rahab devait être sur le mur. Il y a des situations dans ta vie que tu ne comprends pas aujourd'hui. Demain, tu les comprendras. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Il y a des malheurs dans ta vie, des malheurs qui t'arrivent, mais il y a le plan de Dieu dans ces malheurs. Parfois tu ne vois pas, mais Dieu qui connaît toutes choses, reste tranquille, parce qu'il sait que demain tu comprendras pourquoi tu as vécu certaines choses. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler pourquoi sa maison était sur la muraille. Parce que Dieu savait que pour sauver les deux espions, si sa maison était au centre de Jéricho, les espions n'allaient pas échapper. On les arrêterait. Parce qu'il faudrait qu'ils traversent toute la ville avant de sortir de la ville. Mais la maison de Rahab avait été positionnée là-bas par le Dieu des cieux, le Dieu de toute préscience, qui savait qu'un jour ses serviteurs auraient besoin de la fenêtre de Rahab pour descendre la muraille et te sauver. Yes. Écoutez mes amis, il y a des positions que tu vis, Dieu te laisse vivre. Ce sont des positions qui pour toi sont des positions défavorables, des situations que tu n'aimes pas, tu n'es pas confortable avec. Mais Dieu sait pourquoi il t'a mis là-bas. Dieu sait pourquoi il a permis que ces choses-là t'arrivent. Tôt ou tard, tu verras la gloire de Dieu dans cette situation. Yes. Nous avons parfois condamné Dieu. Nous avons murmuré contre Dieu. Seigneur, pourquoi tes choses m'arrivent? Pourquoi ma maison est sur la muraille? Un jour tu comprendras. Le jour tu recevras les deux espions, tu comprendras qu'il fallait que ta maison soit sur la montagne pour que les plans de Dieu puissent être accomplis. Yes. Jesus. La Bible déclare que lorsque les deux espions sont arrivés, ils sont directement allés dans la maison de Rahab. Qui les a montré la maison de Rahab? Qui leur a dit d'aller dans la maison de Rahab? Sa destinée prophétique était en train de s'accomplir. Le Dieu de Rahab était en train de se souvenir de la saison de Rahab. Lorsque ta saison arrive, Dieu amène les espions directement dans ta maison. Yeah! Lorsque ta saison arrive, des opportunités ne manqueront pas leur cible. Des opportunités commencent à t'identifier. Tu ne cherches pas les opportunités. Les opportunités viennent vers toi. Ils sont allés dans la maison d'une prostituée. En Israël, c'était interdit de parler à la prostituée. Il y avait même une loi qui demandait qu'on tue la prostituée. Mais ces deux hommes ont dormi dans la maison d'une prostituée. Jesus. Quel que soit ton passé, quelle que soit ton histoire, quelles que soient les expériences de ta vie, la grâce te localise. La grâce te localise. La faveur te localise. Ces deux hommes étaient l'incarnation de la faveur de Dieu. L'incarnation des opportunités divines. L'incarnation de la bénédiction de Dieu. Lorsque la bénédiction arrive, lorsque la saison des opportunités divines arrivent, il n'y a plus question de prostituer. Dieu ne voit plus ton passé. Il ne voit pas ta vie. Il vient pour te sauver. Et dans la famille de cette femme, elle était abandonnée.
Elle était oubliée à cause de sa mauvaise vie. Personne ne pouvait s'identifier à elle. Personne ne voulait être Rahab. Ses frères avaient honte d'elle. Ses soeurs avaient honte d'elle. Même ses parents avaient honte d'elle. Pourquoi? À cause de sa situation. Mais le salut de sa famille est venu d'elle. Yes, Jesus. Le salut viendra d'où tu n'attends pas. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'âme. La femme rejetée, à cause de sa vie, c'est elle qui est devenue le sauveur de sa famille. Et Dieu m'a dit de te déclarer, peu importe la vie que tu as connue, peu importe les expériences de ton passé, tu seras le sauveur de ta famille. Tu seras le salut de ta famille. Dieu bénira ta famille à travers toi. La délivrance viendra d'où les hommes ne s'attendent pas. La délivrance viendra de quelqu'un que les gens n'auraient jamais cru que le salut vienne par elle. La seule prostituée professionnelle qui a sauvé sa famille, c'était Rahab. Sa famille a été sauvée à cause d'elle. C'est elle que Dieu a choisie pour faire alliance avec elle. Lorsque les deux espions sont arrivés, ils ont dormi chez elle. Elle les a cachés. Elle leur a donné à manger. Ils ont mangé sa nourriture. Elle a menti au roi de Jéricho. Elle a sauvé les espions. Ils étaient venus pour détruire Jéricho. Et elle le savait. Elle connaissait et saisit ses opportunités. Elle les a cachés. Elle leur a sauvé la vie. Elle les a arrêtés. Elle leur a dit, avant de partir, promettez-moi que quand vous reviendrez pour détruire cette ville, vous n'allez pas me tuer. Vous n'allez pas tuer mon père. Vous n'allez pas tuer ma mère. Ni mes frères. Ni mes soeurs. Ni mes amis. Elle avait un bon cœur. Malgré qu'elle soit prostituée. Écoutez mes amis, le plus souvent, les œuvres même ne comptent pas beaucoup. C'est l'état de ton cœur. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'au jour du jugement, les voleurs, les prostituées vont dévancer beaucoup de juifs, beaucoup de justes dans le royaume de Dieu. Cette femme, malgré sa condition, elle avait un bon cœur. Elle se souciait des gens qui la condamnaient. Elle se souciait du salut des gens qui l'avaient renié. Que Dieu te donne un cœur d'enfant. Dis, oh Dieu, donne-moi le cœur de Rahab. Je ne veux pas prêcher longtemps, mais je veux que tu me comprennes bien ce soir. Et la Bible dit que Josué est revenu et il est venu pour détruire Jéricho. Et ils sont arrivés et Rahab avait fait une alliance avec Dieu, avec le Dieu d'Israël. C'était la première fois dans la Bible où on voit une prostituée faire alliance avec le grand Dieu d'Israël. Il y avait dans sa maison un cordon rouge, un cordon rouge cramoisi qu'elle a attaché à sa fenêtre. Et ce cordon était le symbole visible de l'alliance invisible entre Rahab la prostituée et le Dieu d'Israël. C'était la garantie de son salut et la garantie du salut de sa famille. Que faisait le cordon rouge dans la maison de Rahab? Qui lui avait donné ce cordon rouge? Ce cordon avait une grande destinée. Quand le temps est venu, le cordon a pris sa place à la fenêtre pour qu'Israël puisse le voir à distance. Écoutez mes amis, toute personne qui a une position par erreur, Dieu te ramène à ta position prophétique. Je dis, Dieu t'amène à ta position prophétique. Tu dois être à la fenêtre au nom souverain de Jésus. Et la Bible déclare, lorsque Israël est venu, Josué a vu et il a dit, ah, voilà sa fenêtre, allez la sauver. Ils sont partis, les deux espions, et ils ont sauvé Rahab avec tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils les ont sortis. La Bible dit qu'on les a mis à l'abri. Que Dieu te mette à l'abri. Jesus.
Que Jésus te mette à l'abri ce soir. Amen. Que mon Dieu te mette à l'abri. Que Dieu te mette à l'abri. Que ta famille soit mise à l'abri. Que la maison de ton père soit mise à l'abri. La maison de ta mère à l'abri. À cause de toi, ta famille sera à l'abri. Jesus. Quelque chose s'est passé. Tenez un peu ça. Yes. Let me explain you something tonight. Hallelujah. Sa famille a été mise à l'abri. Mon ami, tu ne vas pas mourir prostituée. Tu ne peux pas mourir pauvre. Tu ne vas pas mourir mendiant. Tu ne vas pas mourir dans la honte. Tu vas sortir de cette prison. Tu vas sortir de cette situation. Tu ne peux pas mourir à Jéricho. Rahab n'est pas morte avec Jéricho. Jéricho ne va pas te tuer. Tu ne vas pas mourir à Jéricho. Dieu te sortira de Jéricho et te mettra à l'abri. Et dans mes méditations, j'ai commencé à parler au Saint-Esprit, à lui poser des questions. Quand le Saint-Esprit m'a donné la réponse, j'ai jeté mon téléphone, j'ai commencé à parler en langue dans ma chambre d'hôtel et j'ai commencé à prier le Dieu de Rahab. Quand l'Esprit de Dieu m'a dit pourquoi Jéricho a été détruit. Mes amis, Jéricho a été détruit. Et Josué va donner une prophétie sur Jéricho. Et il dira, maudit soit celui qui tentera de rebâtir Jéricho. Celui qui va mettre la fondation, son premier fils va mourir. Celui qui va mettre la première brique sur le mur, son dernier fils va mourir. On a maudit Jéricho. Donc, la guerre de Jéricho était l'une des guerres les plus terrifiantes que le peuple d'Israël n'ait jamais eu à faire. Et j'ai posé la question, pourquoi? Pourquoi détruire une ville si riche, si puissante, si on ne vit pas dans cette ville, si on la brûle et on la gaspille, et on dit que personne ne la rebâtira? L'Esprit de Dieu m'a expliqué. Et il m'a dit ceci. La guerre de Jéricho a été causée à cause de Rahab. Si. L'Esprit de Dieu m'a dit, si Rahab n'était pas Jéricho, Jéricho n'aurait pas été détruit. Si elle était n'importe où, cette ville aurait été détruite. Écoutez mes amis, son nom signifie largeur. Marcher dans les destinées larges, dans les bénédictions grandes. Mais Rahab, dans Jéricho, était une prostituée. Ce n'était pas sa destinée. Et Dieu s'est souvenu de Jéricho, de Rahab, dans Jéricho. C'est pour ça que Dieu a demandé à Josué de détruire Jéricho afin de sortir Rahab de Jéricho. Parce que Jéricho, tant que Rahab était dans Jéricho, elle allait mourir prostituée. Et Jéricho n'était pas sa destination finale. Dieu avait un plan pour Rahab. Et ce plan était hors de Jéricho. Ce plan était en Israël. Donc Jéricho était une prison spirituelle et physique pour Rahab. Elle était condamnée à se prostituer là-bas. Pour vivre, pour quelle sorte il fallait que la prison soit détruite. Et je prie au nom de Jésus. Toute prison spirituelle qui te maintient dans une situation qui n'est pas la tienne, qu'elle soit traitée comme Jéricho, qu'elle soit détruite au nom de Jésus, que ses fondations soient maudites, que ses murailles soient maudites au nom souverain de Jésus. Dieu est allé à Jéricho pour chercher Rahab parce que son temps était arrivé. Mon ami, quand ta saison arrive, Dieu met les grands moyens pour te sortir de ta prison. La Bible déclare qu'on a sorti Rahab de la prison de Jéricho. On a détruit Jéricho en sorte que Rahab ne retourne plus jamais là-bas. Dieu l'a séparé de son passé de prostituée. Yes. Dieu a détruit son passé. Josué a brûlé son passé. Jéricho, c'était le passé de Rahab. Jéricho, c'était la prison de Rahab. Que Dieu détruise ton passé à jamais.
Ton passé ne criera plus derrière toi. Qu'il soit brûlé au nom de Jésus. Que la honte du passé ne se répète pas dans ton présent. Que les pleurs du passé ne se répètent pas dans ton présent. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu avait envoyé ses anges pour chercher Rahab au nom de Jéricho. La Bible dit que lorsqu'elle a sorti de Jéricho, on l'a amené en Israël. Quand ils sont retournés, ils sont rentrés avec Rahab. C'est la seule personne avec sa famille qui sont rentrés vivants de cette situation. Et la Bible dit, jusqu'à ce jour, Rahab a vécu en Israël. Jesus. Yes. Elle est quittée de Jéricho pour Israël. Mais ce qui est choquant, cette femme prostituée a vécu en Israël. Elle est devenue célèbre en Israël. Une prostituée, on ne peut pas parler d'elle comme ça. Mais cette femme, on dit Rahab, la prostituée, a vécu en Israël jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à prier sur Rahab. Quand Dieu m'a encore parlé sur elle, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Et pendant que je prêche ce message, mon cœur et mes yeux sont emplis de larmes. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fouillé dans les Écritures et j'ai découvert quelque chose qui m'a fait comprendre tout ce qui s'est passé par après. La Bible dit ceci. Ouvre ta Bible avec moi dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Je lis à partir du verset 4. Je lis au nom de Jésus. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachon. Nachon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Urie. Écoutez mes amis, maintenant vous comprendrez pourquoi je vous ai expliqué que la guerre de Jéricho était la guerre de Rahab. Dieu sortait Rahab de sa prison pour sa destinée, pour que son nom prophétique soit rejoint, sa vie rejoigne son nom prophétique. Lorsque Rahab, la prostituée internationale, a été ramenée par les Juifs de Jéricho pour Israël, la Bible explique que Rahab a commencé à habiter en Israël. Sa vie de prostituée était morte avec Jéricho. Et pendant qu'elle vivait, cette femme qui était prostituée a eu un mari qu'on appelait Salmon. Jesus. Et la Bible déclare que Salmon a épousé Rahab. Et ils ont accouché ensemble. Et il dit, Boaz, c'est le mari de Ruth dans la Bible. Boaz est l'arrière-grand-père de David. Boaz et Ruth vont donner naissance à Obed va donner naissance à Isaïe, le père de David. Et Isaïe va donner naissance à David. Rahab, qui était prostituée, a été épousée par un homme de la famille de Judas, de la tribu du lion de Judas. La femme prostituée, la femme rejetée, a marié un monsieur, un grand-père. Elle est devenue l'arrière-grand-mère de David et une ancêtre de Jésus. Oh, tu n'as pas compris ça. Les gens n'ont pas compris. Écoutez. J'explique ça maintenant petit. Rahab était une païenne. Elle n'appartenait pas à Israël. Et donc,
Elle était dans son pays, Jéricho. Mais Dieu avait des grands projets pour elle. Parce qu'elle était éloignée de la terre de sa bénédiction. Elle est devenue prostituée. Quand son temps est arrivé, Dieu a provoqué une guerre contre Jéricho. Parce que Jéricho maintenait Rahab dans la prison de la prostitution. Josué est allé. Il a détruit Jéricho, sauf Rahab. Parce que Dieu avait ses plans pour Rahab. Il est allé chercher Rahab à Jéricho pour ramener Rahab. Parce que Dieu savait, avant la fondation du monde, que Rahab était la grand-mère du Seigneur Jésus-Christ. Mais elle n'était pas à sa place. Elle n'était pas à sa place. Dieu l'a cherché là-bas. Dieu l'a ramené. Et j'ai posé une question à Dieu. Comment un homme a-t-il épousé la prostituée internationale? Peu importe la vie que tu as passée, quand ta saison arrive, Dieu ne tient pas compte de ton passé. Quel est cet homme en Israël qui a laissé toutes les bonnes filles, les filles vierges, les belles filles juives, avec une loi qui interdisait à Israël d'épouser les païennes, qui, connaissant Rahab, qui ne la connaissait pas, on savait qu'elle est prostituée. S'il y avait une femme à ne jamais épouser, c'était cette femme. Mais comment elle a eu un mari? Quel est cet homme qui l'a épousé? Mais quel est cet homme qui a eu le courage d'épouser Rahab? Son passé était passé. Son passé était passé. Son Dieu était avec elle. Dieu lui a donné un mari. Malgré son mauvais passé. Salmon l'a aimé. Salmon a dit, tu es pécheresse, c'est vrai. Tu as été prostituée, c'est vrai. Mais je vais t'épouser comme ça. Tu as été païenne. Mais je vais t'épouser. Tout ce qui te disqualifie à être ma femme, la grâce va te qualifier. Je déclare sur ta vie toute disqualification naturelle ou surnaturelle, Dieu la change par sa grâce. Tu seras qualifié par la grâce. Toutes les lois spirituelles qui t'empêchent de prendre ta place prophétique, elles sont renversées par la grâce. Elles sont changées par la grâce. Cette femme, si on pouvait imaginer qu'il y a une femme qui n'est jamais de mari, c'était Rahab. Mais elle ne s'est pas mariée à n'importe qui. Elle s'est mariée à un parent, à un patriarche de la tribu de Jésus, de la tribu de Judas. Salmon, le père de Boaz. Vous connaissez l'histoire de Ruth, n'est-ce pas? Vous connaissez Ruth qui est restée avec Noémie, sa belle-mère, qui est aussi païenne. Son mari là, c'était le fils de la prostituée Rahab. Jesus, hey! À Jéricho, elle n'a pas eu d'enfant. Parce qu'elle ne devrait pas avoir des enfants à Jéricho. Pourquoi son ventre, malgré son passé, devrait accoucher de l'ancêtre de Jésus? Cette femme, si on lui avait dit à Jéricho, ou même à ses amis, ou à ses ennemis, que la femme-ci, c'est une ancêtre de Jésus, personne n'allait croire. Il y a des choses, si je te l'ai dit ce soir, tu ne vas pas croire. Mais pourtant, c'est la vérité. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Dans le nom de Jésus. Dans mes amis, Jésus-Christ a eu pour grand-mère, arrière-grand-mère, une prostituée. Comment une prostituée a-t-elle été hissée dans la lignée de la tribu de Judas, du lion de la tribu de Judas? Comment Jésus-Christ a-t-il eu pour grand-mère une femme prostituée? Parce qu'elle s'appelait Rahab. Parce qu'elle était Rahab, la grande, celle qui portait une grande destinée. Maintenant, vous comprenez que si Dieu ne l'avait pas sortie de Jéricho, elle ne serait jamais la grand-mère de Jésus.
Mes amis, quand ta saison arrive, aucun homme ne peut te retenir. Aucun diable ne peut la bloquer. Aucune situation ne peut l'arrêter. Quand tu as dit que tu vas te marier, même si tu étais la championne internationale de la prostitution, tu auras un bon mari. Tu auras un bon mari. Tu auras de bons enfants. Aucun de ces enfants n'a été prostitué. Tes enfants ne commettront pas tes erreurs. Jesus. Tes erreurs ne seront pas les erreurs de tes enfants. Tes batailles ne seront pas les batailles de tes enfants. Et j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai appris une leçon d'humilité. Comment cet homme a-t-il vécu avec une femme qui couchait avec presque toute une ville sans se soucier de sa notoriété, sans se demander, on dira quoi en Israël si j'épouse cette femme? Il n'a pas regardé ça, parce que la destinée de cette femme était grande. La grâce était dans sa vie. Elle s'est mariée où beaucoup de filles d'Israël qui menaient une bonne vie devant Dieu n'ont pas été positionnées. C'est là que Dieu l'a positionnée. Jeune femme, ne pleure pas sur ta vie. Dieu te réserve un mariage glorieux. Jeune femme, ne pleure pas sur ta vie. Car les enfants que tu vas donner naissance, aucun Dieu ne connaîtra tes malédictions. Les enfants que tu accoucheras, aucun Dieu ne va pleurer tes pleurs. Tous seront grands. Tous vont réussir. Tous seront bénis. Parce que ton passé est passé. Parce que Jéricho est passé. Que Dieu maudisse Jéricho. Que Dieu punisse Jéricho. Je maudis Jéricho. Je maudis les fondements de Jéricho. Je maudis les murailles de Jéricho. Jéricho, c'est ton mauvais passé. Jéricho, c'est ta prison où tu as été dans l'esclavage, où tu as été dans le péché. Cette prison est détruite. La prison de la pauvreté, de la misère, du rejet, des pleurs, des incompréhensions. Je maudis Jéricho. Je maudis Jéricho. Jéricho doit tomber. Jéricho doit tomber. Rahab doit sortir. Ta place, ce n'est pas Jéricho. Tu sors de Jéricho et tu vas en Israël. Tu arrives en Israël et tu rencontres Salmon. Tu te maries avec Salmon et tu donnes des enfants. Dieu lui a donné une place dans la lignée du Messie. Elle est la grand-mère de Jésus. La grand-mère de Jésus. Dieu n'a pas condamné son passé. Dieu n'a pas regardé à son passé. Dieu l'a béni à cause de son cœur qui était vrai. Jesus. Yes. L'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un, je ne te condamne pas à cause de ton passé, mais mes projets pour toi seront réalisés. Ne pleure pas sur toi-même. Ne laisse personne t'intimider ou te faire perdre confiance en toi. Ton avenir est grand. Ton avenir est glorieux. Dieu connaît les plans qu'il a pour toi. Et toute mauvaise position où le diable t'a attaché, tu es détaché. Écoutez mes amis, c'est le général d'Israël, Josué lui-même. Écoutez, Dieu me dit de parler à quelqu'un. Vous savez, lorsque ton futur est grand, tes batailles seront grandes. Dans toute la Bible, il n'y avait pas une ville aussi fortifiée que Jéricho. Les murs de Jéricho avaient au moins 5 à 6 mètres de large, en sorte que deux voitures pouvaient rouler en face contraire sur les murailles de Jéricho. Pourquoi cette ville était autant fortifiée? Et dans la guerre de Jéricho, Dieu a rassemblé deux armées.
l'armée de la terre dirigée par Josué et l'armée du ciel dirigée par l'archange Michel. Quand Josué se préparait pour aller prendre Jéricho, il a ouvert sa tente, il a trouvé un homme debout devant sa porte avec une épée nue au niveau de la hanche, et il demande au monsieur: toi, qui es-tu? Tu es pour nous ou tu es contre nous? Et l'homme lui répond: je suis Michaël, le général de l'armée céleste. Josué lui a dit: il y a quelqu'un qui doit être sauvé de Jéricho, c'est Rahab. Et il dit à Josué: cette guerre, tu ne peux pas la remporter seul, parce que cette femme doit sortir de là-bas. Elle doit sortir de là-bas. Dieu a mandaté le général de l'armée du ciel. Les deux généraux ont discuté juste pour sortir Rahab. Jesus. Elle ne pouvait pas mourir sans devenir l'ancêtre de Jésus. Dieu a mis les grands moyens. Écoutez, pourquoi les deux armées? Parce que Jéricho était une ville fortifiée. Le diable s'était rassuré que Rahab ne sorte jamais de Jéricho. Et Dieu s'était aussi rassuré que Rahab sorte de Jéricho. Voilà pourquoi, dans la bataille de Jéricho, Josué n'a rien touché. Il n'a pas touché les murailles. Pourquoi? On lui a dit de sonner de la trompette. Voici ce qui s'est passé. Rahab était là. Mes amis, Dieu est un Dieu d'une sagesse extrême. Laissez-moi vous révéler quelque chose. Attendez, écoute-moi bien. Il y a deux armées. Une armée invisible, c'est celle du général Michaël, l'archange Michaël. Quand ils arrivent à Jéricho, ils font sept fois le tour. Pendant qu'ils font le tour, les anges poussent la muraille. Ils poussent la muraille. Ils poussent la muraille. Le septième tour, ils font sept tours. Les murailles de Jéricho tombent. Ce n'est pas tombé seul. C'est les anges qui ont renversé les murailles. Jesus. Et la deuxième phase de l'attaque, quand les murailles étaient renversées, alors Josué et Israël devaient entrer pour attaquer. Donc les murailles ne sont pas tombées seules. C'est les anges qui ont renversé les murailles. Mais il y a une contradiction dedans. Dit la sagesse de Dieu. Parfois la sagesse de Dieu semble une folie pour nous. Elle semble une folie. Et ça va vous montrer une chose. La Bible dit que quand le septième tour arrivait, les murailles de Jéricho sont tombées. C'est vrai ou c'est faux? Ok. On chante, mais les murs de Jéricho sont tombés. Les murs sont tombés, c'est vrai. Sauf la maison de Rahab. Parce que sa maison était sur la muraille. Si la muraille sur laquelle la maison de Rahab était partie était tombée, elle serait morte avec toute sa famille. Parce que la Bible dit qu'après que les murailles soient tombées, ils allaient entrer. Les deux espions sont entrés dans la maison de Rahab pour la sortir de sa maison. Nous savons qu'elle était collée à la muraille. Donc tous les murs sont tombés, sauf où il y avait le cordon rouge, le cordon de l'alliance de Dieu. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne mourras pas. 1000 vont mourir à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne vas pas mourir. On ne va pas t'enterrer à Jéricho. Tu sors de Jéricho. Hola, Jéricho. Dis, je sors de Jéricho. Mais Jéricho. Je sors de Jéricho. Mais Jéricho. Oh mon Dieu. Oh ma Onye. Jesus. A
Et j'ai dit à Dieu, donne-moi le cœur de Salmon. Donne-moi le cœur de Salmon. Donne-moi le cœur de Salmon. Pour épouser Rahab. Nous sommes pleins de préjugés aujourd'hui. Nous condamnons les gens sur leur passé. Et nous limitons la grâce de Dieu. Nous limitons la puissance du sang de Jésus dans les vies. Si Rahab était ici, personne ne l'aurait opposé. En commençant par moi, certainement. Parce que nous ne croyons pas qu'une prostituée, un voleur, un ancien braqueur peut devenir un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu aujourd'hui. Et j'ai vu combien de fois j'ai limité l'action de Dieu dans la vie de Rahab. J'ai jugé Rahab. J'ai condamné Rahab. Les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Parfois nous oublions d'où nous-mêmes on nous a tirés. Toi-même tu es venu d'un Jéricho. Quelqu'un dans un autre Jéricho. Parce que toi tu as été délivré. Tu ne crois pas que l'autre aussi peut changer. Mes amis, lorsque Dieu fait grâce, respectons cette grâce. Lorsque Dieu fait du bien, apprécions l'œuvre de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, aujourd'hui Seigneur, que je m'appelle Salmon et Canel Ferdinand. Jesus. Hey. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer comment cet homme. Et écoutez, la tradition d'Israël nous révèle que ce Salmon était l'un des deux espions qui sont allés à Jéricho. Il connaissait la vie de cette femme. Comment épouser une femme qui a accouché, dont on connaît le passé. Que Dieu me pardonne pour toute fois où j'ai jugé. Comment? Quel genre d'homme était-il? Le genre d'homme qui sait apprécier le don de Dieu, qui croit que Dieu peut donner seconde chance à n'importe qui. Le genre d'homme qui a compris que même Rahab a droit à la bénédiction, à la grâce de Dieu. Que même Rahab a droit à une place privilégiée dans le plan de Dieu. Qui sommes-nous pour juger et condamner ce que Dieu a justifié? Que Dieu nous pardonne. Et je veux parler à Rahab. Ne te laisse pas mourir parce qu'on ne te comprend pas. Dieu te comprend et c'est le plus important. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce qu'on peut prier ce soir? Voici Jésus. Nous allons faire une prière. Et je souhaite que tout le monde soit debout. Le prophète comme toi a dit que ce programme c'est la guerre. Nous ne sommes pas ici pour perdre le temps. On a dépensé des millions et des millions pour venir ici. Est-ce que vous comprenez? C'est plus de 20 millions investis pour la tournée de Côte d'Ivoire et du Togo. Plus de 20 millions, minimum parlant. On n'est pas venu pour dormir ici. On est venu pour te bénir. Tu dois sortir de Jéricho. 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 Est-ce qu'on peut prier ce soir? Tends ta main vers moi. Dis mon père, mon père. Mon père. Oh Dieu. Sors-moi de Jéricho. Toute prison spirituelle qui retient ma destinée. Je sors de cette prison. Je sors de Jéricho. Jéricho. Sois renversé. Sois calciné. Sois brûlé. Que tes fondations soient renversées. Que tes murailles soient renversées. Ouvre la bouche et prie. Prie. Sors de cette prison.
Zai daros lebo desmai filia lena uta mirak nazo tei meksula in auta mazo baida elma zuna dias noha pabra idas maida u lo predau saim latas nu en autes lo rauta in auteras na balota balita uta mirak na zo in autes ma balita vera uta in miksna ute lo pradesha ida elma zo Jésus a prié. Amen. La Bible dit que quand elle est sortie de Jéricho, on l'a mise à l'abri. Dieu lui a donné une place à l'abri. Nous allons prier. Que Dieu te mette à l'abri. Amen. Que Dieu t'établisse dans la gloire. Amen. Qui te mette dans une place pour ceux qui se sont moqués de toi, qui te traitaient de prostituée. On l'appelait désormais Madame Salmon. Son nom est passé de Rahab la prostituée à Madame Salmon. Dieu te donnera de porter un nom de gloire. Dieu doit t'élever. Dieu te donne une situation qui va confondre ceux qui avaient prophétisé que tu vas mourir dans Jéricho. Tends ta main vers moi. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Dieu. Oh Dieu. Pose ma vie dans les hauteurs de ta gloire, au nom de Jésus. Père, un miracle puissant dans ma vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu de ceux qui m'ont méprisé,
aux yeux de ceux qui m'ont opposé. Change mon histoire. Change ma situation. Change ma situation. Change ma position. Change ma position. Change mon nom. Change mon nom. Ouvre la bouche et prie, ça va arriver. Seigneur, devant ceux qui se sont moqués de moi, Seigneur, change mon histoire, change ma situation. Seigneur, rehausse mon nom. Seigneur, mets-moi dans le cœur, le cœur de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, le lâche-lâche. Balance la idama, la mazo, le idassou, la desh la idassou, le la causa, le la usma. Jésus, on a prié. Amen. Tends ta main vers moi. Tends ta main vers moi. Toute position que tu occupes, qui n'est pas ta place, sors de cette place maintenant. Amen. Sors de cette place maintenant. Amen. Toute personne ici, victime des prisons de sorcellerie, je prophétise que tu sors de cette prison. Amen. Toi et ta maison, vous sortez de cette prison. Amen. Toi et tes enfants, vous sortez de cette prison. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je prophétise que Dieu change ta situation. Je la vois changer maintenant. Je la vois changer maintenant. Amen. Je la vois changer maintenant. Je la vois changer maintenant. Je la vois changer maintenant. Ton nom change. Ton nom change. Ton nom change. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois une position de gloire. Et je t'établis dans cette position. La honte quitte ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. À cause de toi, le nom de ta famille sera sauvé.
À cause de toi, ton père sera sauvé. À cause de toi, ta mère sera sauvée. À cause de toi, tes frères seront sauvés. À cause de toi, tes soeurs seront sauvées. Toi et la maison de ton père, vous sortez de Jéricho. Toi et la maison de ta mère, vous sortez de Jéricho. Toutes les puissances de ténèbres qui te retenaient attaché dans la pauvreté, dans la sorcellerie, dans la maladie, dans la malédiction, dans le célibat, dans les endettements, ces chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Au nom de Jésus, tout hôtel dans la maison de ton père, tout hôtel satanique dans la maison de ta mère, prends feu. Feu. Par la parole de ma bouche, j'allume le feu sur cet autel. J'allume le feu sur cet autel. Et tu es libre au nom de Jésus. Amen. Tu es libre au nom de Jésus. Amen. Et tu es libéré au nom de Jésus. Amen. S'il y a un animal mystique dans ton village, je viens d'un endroit comme ce Bessot. C'est comme un village. C'est comme un Bessot. Qui est de l'endroit là? Comme Bessot. Mais qu'est-ce que tu es payé? Bessot. Comme Bessot. Bessot. C'est un village. Et, copé. Et dans le village, si je vois un arbre maléfique, et, le copé, quoi, as-tu vu une idée? Et l'arbre là va tomber d'ici 6 heures du matin demain. Et tu m'as l'arbre, à plus fort pour me garder la peau. Tout arbre maléfique dans ton village est renversé. Amen. Je dis tout arbre maléfique dans ton village est renversé. Amen. Même si c'est une rivière sacrée Amen. Qui buvait les étoiles de ton village, Amen. Elle sera asséchée au nom Amen. De Jésus. Je déclare que les rites s'arrêtent sur cette rivière. Ta destinée est libérée au nom puissant de Jésus. L'autel du célibat quitte ta famille. Amen. Je prophétise les mariages. Les mariages. Amen. Si Rahab s'est mariée, tu te marieras. Oh, yes. Si Rahab s'est mariée, tu te marieras. Si ses enfants se sont mariés, tes enfants se marieront. Tu iras de grâce en grâce. Amen. De bénédiction en bénédiction. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Amen. Tu ne seras pas un sujet de honte. Oh, yes. Dans ce pays, Amen. On parlera de toi. Amen. Dieu va changer ton nom. Amen. Dieu a déjà changé ton nom. Amen. Comme il a changé mon nom. Amen. De Rahab la prostituée Amen. À Madame Salmon. Amen. Salmon. Amen. Est-ce qu'il y a des célibataires dans ce Jesus. Salon? Jesus. Dis mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus. Écoutez mes amis. Dieu bénit tes projets. Toutes tes entreprises. Toutes tes entreprises. Je vois la main de Dieu puissamment. Dieu, je vois la prospérité dans tes affaires. Mais quoi tu nous l'appelles toi, homme?